Moi, je fais juste que ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et après, ben, je partage. Je m'appelle Fabien Conti. Je suis italien martiniquais. Je fais des clips vidéo pour les artistes. Voilà, mais mon travail est plus centré sur la peinture. Depuis tout petit, je dessinais, je peignais, donc c'est venu comme ça naturellement. Bah, je prends énormément la nature. Je prends des espaces très calmes, arbres, forêts. C'est des peintures plutôt méditatives, très calmes, assez spirituelles. On est dans des ateliers, on peint, mais tu vois, c'est pas les professeurs qui vont nous apprendre des trucs. On doit se débrouiller tout seul, on doit être autonome en fait. C'est ça le but de l'école aux Beaux-Arts. On est autonome, c'est pas les professeurs qui vont nous dire ah mais si, mais ça, tu vois. C'est tout seul. On est dans la jungle et tout, on doit se démerder, tu vois. Je voyage énormément, je lis beaucoup de livres. Même des rencontres que je fais dans les pays, ça me change. 2 semaines, hein, maximum. Sinon, il y a des toiles, je les fais en 3-4 jours, une semaine. La passion, c'est le travail. Hein. Je viens à 10h jusqu'à 22h pratiquement toute la semaine. Hein. Parce qu'après, j'aime ça, tu vois. Je suis passionné par ce que je fais. Donc, moi, j'ai pas de routine. Ça veut dire tous les jours, je m'épanouis et je découvre un truc, tu vois, dans ma peinture. Continuer ce que je fais après à côté, comme je vous l'ai dit, je fais les clips des artistes comme Nino, Fianso, tout ça. Nique les brouillards de piste qui profitent d'une embrouille pour t'abattre. Comme tous les petits d'Aubert, Rémi écoutait Socrate. Faudrait que j'apprenne une sourate. Donc monter en fait, pareil, tu vois, tableau, enfin peinture, monter là, clip aussi, tu vois, que tout soit au même niveau et que bah, je me fasse un vrai, vraiment. Vraiment bien vivre de ça et même aller aux États-Unis dans les autres pays, tu vois, pour taffer avec les artistes. Si je peux avoir un pied partout, c'est bien. Faut se lancer, hein. Faut y aller, faut foncer. En vrai, faut même pas se poser de questions. Après le lycée, en vrai, je pensais jamais aller aux Beaux-Arts. J'étais en terminale STMG et il y a un professeur, il m'a dit en vrai, il faut que tu ailles aux Beaux-Arts. Donc il m'a donné l'opportunité d'y aller. Tout ce que j'ai fait, ça a marché et je suis content de moi, tu vois, j'ai eu le résultat, et j'ai vendu pratiquement toutes mes peintures, tout ça. Mon but, c'est que les jeunes ils s'intéressent à l'art, à tout ça, donc moi je suis content. Quand je vois les jeunes qui viennent à mes expos et tout, c'est bien. Même s'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière ma démarche, tout ça, au moins ils voient que visuellement, ça a bien un intérêt, tu vois. Donc ça m'intéresse.